êtes spécialiste de la joaillerie, eh bien, venez découvrir une solution permettant le dessirage très rapide, fiable et constant en termes de qualité. Tout d'abord, on rappelle les phases de fonctionnement. On est devant une machine de production, la 2500W de chez 3D Systems. On ouvre notre capot comme d'habitude et on va aller récupérer notre plateau. Plateau d'impression avec partie support solvable, partie blanche. Et la cire que vous avez. Donc l'objectif maintenant de la phase que l'on va découvrir, c'est comment on va enlever rapidement la cire blanche. Tout d'abord, comment on faisait jusqu'à maintenant. Donc on arrive au dessirage. Et bien on est parti pour 2 à 3 heures de boulot, comme vous le savez, avec plusieurs étapes pour faire partir cette petite cire blanche dans l'IPA. Donc on a préparé nos lots, on a commencé à défaire et comme d'habitude, effectivement, on va prendre nos lots et on va les tremper à l'intérieur des bacs agitateurs magnétiques avec notre IPA. Et petit à petit, assurer le dessirage en plusieurs étapes. Donc rendez-vous dans une heure, deux heures pour faire des points de passage à chaque fois et obtenir le dessirage de nos petites cires. Et bien on se retrouve une heure après. Une heure de dessirage, une heure de mobilisation de mon temps à rester derrière mes petits modules avec de l'IPA et à faire passer de bac en bac pour obtenir le produit que je souhaite avoir et permettre d'avoir une bonne qualité de fonte. Bien sûr, tout ça est archaïque, donc ce qu'on attend et ce qu'on aimerait tous avoir, c'est une solution qui dessire automatiquement sans que nous soyons obligés d'être présents devant, qui vous permette de conserver l'état de vos cires sans en casser quelquefois dans les manipulations, mais aussi d'avoir un dessirage complet, uniforme et qui soit répétable. Alors Alain, elle dit quoi ta solution? Eh bien Patrick, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu vas pouvoir remiser au placard ta panoplie de petits chimistes. Adieu la plaque chauffante, les thermocongeurs, les agitateurs magnétiques, le mélange PPG, isopropanol, tout ça. Tu remets ça dans le placard et tu pars avec une solution industrielle de chez Post Process. Un débit 430, donc une machine dont la capacité permet de passer des lots entiers de pièces issues de la 2500W ou de la 2500+ ou de la 2500IC. Et un solvant développé par Post Process, le PLMC101, qui n'est pas inflammable, qui est très peu volatile, qui est sans danger pour les opérateurs et qui a une très grande longévité. Tu changeras à peu près ton bain une à deux fois par an. Adieu toutes les manipulations pour changer l'isopropanol qui sature au bout de 1 ou 2 jours. Nous allons mettre toutes les pièces dans des paniers de modulage, donc il faut traiter jusqu'à 3 paniers. On va pouvoir traiter 10, 20, 30, 50 pièces en une seule fois. On les positionne dans la machine et on va laisser la machine travailler pour nous. On va travailler dans un véritable temps masqué. Donc on sélectionne et maintenant nous allons revenir par exemple dans une heure. Donc voilà, en une heure nous sommes partis donc d'un lot de pièces telles que celle-ci, sorties de l'impression, à des pièces totalement dessirées, prêtes à partir à la fonte dès qu'elles seront sèches, avec un résultat impeccable. Alors Patrick, convaincu ?